Le prince Bira, Jean-Emmanuel Fangio vont présenter au président Perón le Grand Prix automobile de Buenos Aires, la première épreuve comptant pour le championnat du monde. La course se déroule sur la piste du magnifique autodrome monumental du 17 octobre. Dès le premier tour, l'Italien Farina mène suivi de l'Argentin Fangio. Longtemps, on croit au succès de Farina. Mais derrière lui, les deux Argentins, González et Fangio, se livrent un duel fantastique qui permettra à Fangio de passer en tête au 72e tour. Et les gerbes d'eau précédant les gerbes de fleurs saluent la victoire sur Maserati du Chueco Fangio.